La philosophie de notre entreprise consiste à préférer, à privilégier tout du moins la qualité à la quantité. On est très proche de notre marché, de nos clients, des collectivités avec lesquelles nous travaillons. Du coup, pour une prestation avec un prix équivalent, on s'attache à proposer plus de prestations, plus de services, plus d'attention. Du coup, le moteur de notre équipe, c'est vraiment la satisfaction de la clientèle et la fierté de construire des projets immobiliers référents. On est aussi très attaché au rôle social des promoteurs immobiliers parce que le logement est la priorité des Français et donc ça doit être la priorité de tous les acteurs. Alors effectivement, ce programme Cœur de Village a obtenu le prix de la mixité urbaine et le Grand Prix régional PACA. Au cœur du village de Puget-sur-Argent, on a su réunir près de 4 hectares. Du coup, cette opération, c'est 26 000 m² de surface de plancher qui représente 380 logements à peu près. Du coup, là, la mixité urbaine se traduit par des logements pour les actifs, des logements sociaux, des logements pour les seniors, des commerces et des équipements publics. On a une médiathèque, une crèche, un parc. L'enjeu de ce projet était de réussir une greffe urbaine en cohérence avec l'identité naturelle du site, mais aussi de proposer des logements qui soient accessibles aux jeunes actifs. Je crois que c'est un pari réussi parce qu'on a réalisé près de 200 logements à un prix moyen par mètre carré habitable de 2680 euros. On a de nombreux projets sur le bassin, sur toute la frange méditerranéenne. Sur les projets, on s'applique, outre la problématique de la gestion et transition énergétique, la problématique de l'imitation de l'étalement urbain, on s'applique à travailler, à intégrer en tout cas dans nos projets, actuellement, d'intégrer les thématiques de mobilité, les thématiques de pouvoir d'achat, les thématiques de bien-être. On essaie de faire en sorte que les projets que nous réalisons puissent rassembler les acteurs, que ce soit les résidents, les associations, les commerçants. On essaie de faire en sorte que nos projets favorisent l'entraide collaborative et le lien social.